Bon, ok, d'accord. Le vendredi saint de la Toussaint, il est fini. C'était en mi. Maintenant, on passe au samedi, on est en fa. C'est horaire 39, comme ça. Et le truc, il veut me faire croire que mon CD, il marche pas, alors qu'il marche très bien chez Tata. C'est mon DVD du mariage, et je voulais vous montrer le moment où le mouton, il se fait la caguette. Genre, le mouton, il est content de mourir. Non, non, il est pas content. Alors je vais faire chier jusqu'à temps que ça marche. De quoi ça marche pas? De quoi mon CD est vierge? Va te faire enculer. Amérique sa mère, tu vois bien qu'il est gravé, là. Ça se voit là. Ma meilleure répète du monde. Pareil, il est pas. Il est gravé, ça se voit. Et tu le mets et te dis, ah bah non. Sa mère, il y a quand même l'injustice des hommes et la justice de Dieu quand même. Alors qu'ici le connard, c'est vrai que c'est manipulé le D2R2, tout est sous contrôle. Pourquoi il dit qu'il n'y a rien là? Il dit qu'il n'y a rien. Il y a bien mariage de Christophe et Myriam. 2009, c'est la lune d'Annonciation. Oui, la Vierge Marie, à la cascade de la Vierge à Ifrane. Il y avait le lion comme ici. Grâce du Seigneur. C'est vrai que... Du coup, ils ont 600 ans de retard à l'allumage, on est encore 1300 et quelques dans les girons. Ajoutez les images, hein, 4,37 gigalibres. Mais va te faire enculer, c'est pas vrai, ça marche, tata. C'est le film du mariage, je voulais vous montrer la caguette du mouton. Donc il était bon le mouton, c'est pas vrai ça, ça c'est pas vrai. C'est de la merde. Prends pour un con numérique sa mère. Intelligence artificielle, je t'emmerde. Claire, que ce soit clair et précis. Les hommes politiques, c'est pareil, qui ont vendu leur âme, je les emmerde. Et numérique sa mère. Non, faut pas faire chier le bon Dieu, parce que si je m'énerve, c'est l'apocalypse. Ok? Pourquoi tu me racontes que des conneries et tout? Je te dis que ce CD, il marche. Mariage de Myriam et Christophe. Voilà, c'est ma mimi. C'était mon meilleur pote, mais j'ai une connerie. J'ai de l'angle à la mienne. Bon, on le remet. Des photos. Laisse tomber ça, laisse tomber. On a 20 ans là. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est où qu'il faut chercher? Et menuisation.
tout ça, je sais pas, je comprends rien. Faudrait qu'on m'explique. Alors, picture, les images. Mes numérisations. Voilà, c'est là. Alors, je vais travailler là-dessus pour les mettre à mon bureau. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Poète, poète, poète. Voilà. Livre de la sagesse et mendiant l'espérance. Le 14 et 28. Donc, c'est vraiment, t'es bipolaire triphasé en continu. Et bien, ça allait très bien. Si vous manquez, c'était le mot alternatif. Alternatif. Et tu peux très bien être bipolaire triphasé, pas de problème. Madame. On a le droit d'être con. Ouais. Et là, on a quoi? Voilà. 1-4-1. C'est pas de ma faute, hein. L'entonnoir, tes éboues, c'est dans le fil glacial. Oh, j'y peux rien. Là, ça va. Là, faut mettre les trucs à l'endroit, de l'envers, de l'endroit, de je sais pas quoi. Ça, c'est impeccable. C'est comme l'histoire de. Le médicavré, droguons le peuple, faisons en sorte qu'il nous paye. Et après, qu'est-ce qu'il veut dire? Appelons ça le médicament, c'est comme le gouvernement, le discernement. On veut tout qu'il soit vrai maintenant, il y en a marre. Parce que là, après, c'est un passage, c'est balèze. Et Daniel qui fait le con, c'est normal. Celui-là, il faut le remettre à l'endroit. Derrière, je travaille, mais par la bonne grâce du Seigneur et par Abdel Taplan, et ben, j'ai un rosé. Voilà, tu laisses comme ça. Au départ, tu mets tout à l'endroit. Vu que tout est à l'envers, il faut le remettre à l'endroit. Oh là là. Du cinquième jour du 2, bon maintenant du 3. C'est pour les trilogies de quintessence, c'est compliqué. Super gentil celle-là. Bien. Et Henri Godin, il écrit bien aussi. C'est trop sciant, les droits de l'homme. Ça, c'est le canard. Moi, j'étais le connard de Chenet, mais... J'étais pas enchaîné, quoi. La noix d'honneur. J'ai pas écrit, putain, ça a envoyé des trucs où t'écris pas, où il y a de la place. T'en vois qu'un demi-message. J'ai grand soif, bah ça y est. Moi, je trouve ça absolument génial. Si tu veux écouter du David Guetta, du rap ou de la techno, tu te démerdes. Oh, faites tout me rouler, hein.
suis allé au franc-maçon, je suis allé partout aujourd'hui. Ça, je vais l'envoyer, de toute façon, si on le voit pas dans le film, on s'en bat les couilles. C'est juste qu'il faut tout mettre à l'endroit, puisque tout marche à l'envers. Après, je vais l'envoyer. Voilà, c'est là. Tu es mon berger, rien ne saurait manquer où tu me conduis, c'est clair. Avant d'être né, tu étais déjà mort. Mais tu dois comprendre ton espace-temps, ton sentier de vie. C'est clair. Et qui n'ont pas laissé d'image. Voilà la télé, voilà ça la merde. On a 20 ans. Hein. On est vers 89. Hein. Des fois, je l'ai en couleur. J'ai un Dark Vador, laisse tomber, mais c'est bon. Le cinquième éléphant.
prototype pour les gosses pour, dans la voiture, peut-être, quand t'as des sous. Je l'ai mis à Fifi. J'ai dit que j'ai une connerie. Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Putain, c'est compliqué. Si ça se trouve, ta fille, c'est pas ta fille. C'est comme moi, mon père, c'est pas mon père. Je sais pas. Alors Michel, blablabla. Daniel, bon, ben, ils sont beaux-frères, ils ont épousé chacun une sœur, mais c'est normal, comme il y avait deux Ève à faveur. Je ne sais pas, mais bon. Ouais. J'étais Alexandre le Bienheureux, là, j'y croyais comme tout. Mais je savais pas que les Arabes, c'est des menteurs. Non, c'est des berbères, mais je ne savais pas que c'était des menteurs. À ce moment-là, je ne savais pas. Tu vois. En fou, c'est mes droits d'auteur, j'emmerde tout le monde là-dessus. J'ai trouvé ma Vierge Marie à quelques heures d'Airbus d'ici. Ton 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 ton. Ouais, j'avais pas les watts là. Mais des fois il y a la couleur. Quand tu rembobines, tu débobines, tu peux avoir la couleur. Et j'ai pas les moyens à TF1 pour faire de la merde, The Voice Kid, là, pour vendre l'âme des enfants. Attends, je suis pas dans la Matrix, moi, s'il te plaît. Trois tortues sur la pelleteuse. Là, il y a le prophète Ponty, élève de Stéphane Grappelli. C'est un peu rock progressif quand même. Là, on est en 89, là, je crois bien. Si tu veux, c'est pas du son fait pour vendre. C'est du son de l'âme, c'est du son de l'esprit. Les trois slips des monothéistes. Bon bah voilà, ça y est, je fais le tour. Alors on va les mettre sur le burlingue. Il faut bien une explication de texte, il faut bien une musique. Quand même. Bonne soif, Valiou. Grant, pour ne pas se tromper. C'est Mike Brandt, pour ne pas se tromper. La cabale au fond du jardin. C'est trop bon. Vraiment, je suis fier de jouer ça. C'est à 30 ans. Je vais avoir 50 bientôt. Ah, il y va sec au vibrato, mais pas mal. Fait Phil Collins. Mmh.
c'était pas fini les morceaux, mais et c'est super bon. Alors attends, bouge pas, pause.